d'être avec vous aujourd'hui dans le merveilleux village de Lens-Saint-Jean. On aimerait ça savoir votre parcours, votre histoire avant la création de Rebelle des Bois. Moi? Ben, en fait, moi, j'ai étudié en ébénisterie. Donc, mais c'est pas pour ça que je suis à Lens-Saint-Jean. Je suis venue surtout pour l'endroit, pour le fjord puis le ski. Et puis, après ça, j'ai rencontré Claudia. On a travaillé un petit peu ensemble sur différentes choses. Puis, elle travaillait au bistrot à ce moment-là. Puis, c'est quelqu'un qui est très public, qui est bonne vendeuse, qui est tout le contraire de moi, en fait. Donc, moi, j'avais travaillé pour elle, puis j'avais fait une exposition au bistrot de peinture, puis elle m'avait vraiment vendu mes toiles, puis elle parlait de moi, puis là, j'étais allée la voir, j'avais dit, si jamais t'as besoin, tu veux te partir quelque chose avec quelqu'un, moi, j'ai besoin de quelqu'un comme toi, parce que moi, pour fabriquer des choses, pour inventer des choses, j'ai pas de problème, mais vendre mes affaires, j'ai beaucoup plus de difficultés. Ben moi, dans la jeune vingtaine, j'ai beaucoup voyagé. Puis, je me ramassais tout le temps avec les joailliers dans la petite rue au Mexique ou au Pérou. On dirait que c'était ça qui m'attirait, les artisans qui faisaient quelque chose de leur main. Puis, à chaque fois, je me disais, ah, c'est ça que j'aimerais. Moi, je voudrais être en jean t-shirt dans mon atelier avec la musique au bout, puis gosser quelque chose. C'est comme ça que je me voyais. Fait que j'ai commencé, en revenant de voyage, je me cherchais un cours d'ébénisterie. Ouais. Je savais que je voulais gosser du bois. Mon père était ébéniste quand même. Et je m'étais inscrite dans une école anglophone à Montréal. C'était le seul endroit qui avait de la place, mais c'était un cours hybride. Ils donnaient la finition de meubles en premier, puis après l'ébénisterie. Alors, j'ai commencé mon cours, j'ai fini ma finition de meubles, puis rendu à l'ébénisterie, mon oncle m'a appelé pour un projet ici à Lens-Saint-Jean de débarrer le bistrot de Lens. Alors okay. Là, j'ai dit, oh, j'avais envie de m'en venir en région, j'avais envie de m'en venir au Saguenay, fait que j'ai tout laissé tomber pour ça. Alors, lâcher le cours d'ébénisterie, le chum, tout le kit, on est parti, je suis partie. Alors, j'ai jamais fait mon cours d'ébénisterie. Mais arrivée ici, je me suis dit, ah, ben, c'est pas grave, il y a un ébéniste, je vais aller travailler pour lui. Là, je suis rentrée, j'ai travaillé un hiver pour lui. Mais puisque j'avais mon cours de finition de meubles, il m'a mis dans la salle de peinture. Okay. Fait que j'ai jamais appris l'ébénisterie. Et finalement, j'ai rencontré Nathalie qui était ébéniste, elle, qui avait tous ses outils, qui avait la formation, qui était capable de faire absolument n'importe quoi. Fait que j'ai dit, moi, j'ai toujours rêvé de gosser du bois, mais j'ai aucune idée comment faire en ce moment. Je sais que j'aimerais ça, mais il me manque la technique. Ça a commencé comme ça. Au début, on devait faire des miroirs, des cadres. Tu sais, on faisait... Des meubles. La crème glacée. La crème glacée. On voulait pas faire de meubles. La première boutique, là, c'était ça. C'était, une petite boutique d'artisanat. Puis à côté, il y avait une section crème glacée artisanale. Mais ce qui est arrivé, en fait, on a monté notre plan d'affaires comme ça, crèmerie boutique. Puis Nathalie, c'est une bonne amie de Priscilla Némé, qui est directrice de promotion Saguenay. Je lui ai annoncé qu'il y aurait des bateaux de croisière à la baie. Puis qu'on avait déjà commencé à faire des petits bijoux quand même, montrer ce qu'on pouvait faire. Puis elle avait dit, hey, ça se vendrait bien, on cherche des artisans. Fait que là, à ce moment-là, elle nous a donné les chiffres, qu'il y a, le nombre de croisiéristes qu'il y aurait, les gens qui débarquaient là. Là, nous autres, on a fait, waouh, Klondike. On fait, écoute, fait que finalement, il faut qu'on fasse 5000 bijoux. Pour, en tout cas, on avait fait des calculs qui étaient complètement pas réalistes. Mais ça nous a fait abandonner la crèmerie et tous les trucs connexes. Puis ça nous a fait focusser sur les bijoux. C'est un concours de circonstances parce que sinon on aurait une crèmerie. Puis peut-être qu'on serait vraiment pas rendu là. Ben en tout cas, ça serait pas comme ça sûrement. Ben nous voilà dans votre atelier. Alors, comment on aimerait ça savoir comment on fait un bijou? Si on part vraiment du départ, il y a toujours le griffonnage. Alors, bon, on peut faire des petits dessins dans un cahier. C'est sûr que ça, c'est le cahier à Claudia qui est très organisé. Elle fait ça dans un cahier. Moi, je fais ça sur des petits bouts de papier qui se perdent, tu sais. Mais c'est ça. Après ça, on vient faire des tests dans la boutique avec nos petits dessins. Okay. Donc, on essaye des choses, puis après ça, on va aller de l'autre côté avec les pièces de bijoux pour voir si ça fait, on corrige un petit peu la pièce. Comme là maintenant, ça c'est des nouvelles boucles d'oreilles qu'on vient de faire. Je viens de terminer la pièce, elle fit avec l'autre pièce en métal. J'ai essayé le montage, ça marche. Donc une fois que c'est testé,
Là, je vais faire le gabarit. Là, je vais te trouver le bon gabarit, c'est celui-là. Là, je vais faire un gabarit sur justement un petit morceau de bois comme ça pour pouvoir faire la production maintenant. Okay. On a des petites listes de production. Fait que là, je vais mettre la pièce sur ma liste de production. Puis là, bon, il y a les couleurs de bois qu'on utilise. Donc, tout est là, le nombre à faire. Parce qu'on n'est pas seul à travailler dans la boutique. Donc, il faut avoir une certaine organisation pour être capable d'y arriver. Donc, on utilise du bois massif. Ici, c'est du cerisier. Je vais utiliser du cerisier et du noyer. Une essence qui est un petit peu plus foncée, puis une essence un petit peu plus pâle. Puis on va aller coller un plaquage, soit un plaquage exotique, soit un plaquage de couleur pour aller chercher des nuances. Des fois, on plaque seulement d'un côté, mais maintenant, on est pas mal plus, là, on va mettre une couleur de chaque côté pour que le collier soit réussi. Fait que ça, les gens aiment vraiment ça. Et ensuite, il y a aussi des pièces qui sont plus minces, comme celle-là ici. Mm-hmm. Si j'allais couper une pièce aussi mince que ça dans du massif, ça serait pas solide. Okay? Le lit du bois serait seulement dans un sens, j'aurais juste à casser comme ça, puis ça serait terminé. Donc, il faut faire des plaquages, des contreplaqués qu'on fait nous-mêmes. Donc, c'est juste trois feuilles de plaquage. Donc, les deux feuilles ici sont dans le même sens, puis celle du centre, elle, le lit du bois va être dans l'autre sens. Donc là, ça donne une rigidité, c'est comme un tressage. Ça va donner vraiment une rigidité. C'est très mince, mais c'est vraiment solide. Je suis même capable d'aller percer sur le bord de ma pièce, puis ça ne brisera pas. OK. Donc ça, c'est l'avantage. Puis en plus, c'est hyper léger. C'est vraiment super. Une fois que j'ai fait mon plaquage... Ouais, tu vois, ça, c'est les pièces une fois tracées. Okay. Dans le pâle, c'est plus facile à voir un petit peu. Mm-hmm. Après ça, une fois que les pièces sont tracées, il faut les découper avec la scie à ruban qui est ici. Comme mis les deux ensemble, comme ça, Oui. Certaines sont pareilles. C'est vrai. Normalement, là, c'est sûr qu'on va aller monter la boucle d'oreille, même si elle n'est pas laquée, juste pour voir. Okay. Okay? Mais normalement, je devrais la vernir avant. Donc, le travail d'atelier, il est fini, là. Alors, de l'atelier à ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est vraiment quand les pièces sont prêtes. Fait que là, sont sortis de l'atelier, Nathalie les a laquées, sont vraiment prêtes à monter. Fait que la première chose, que ce soit moi ou surtout le staff aussi qui est au montage, c'est important de partir du gabarit. Quand on a un collier, quand on a réussi le premier modèle, puis qui tient bien, on fait le dessin du collier pour être sûr que toutes les autres soient identiques. Donc ça, c'est les pièces de la boucle d'oreille Cléopâtre. Donc, j'ai mon gabarit ici. Je vais me fier à ça pour savoir ce que je dois faire, ce que je dois reproduire. Et finalement, je trouve deux morceaux jumelles. Puis, j'ai juste à venir faire mon petit trou avec mon outil rotatif. Là, si je prends mes deux petits jump rings, j'ai juste à ouvrir mon anneau. On a plusieurs personnes qui nous aident. Mm-hmm. Fait que pour qu'on se retrouve tout le monde, qu'on sache où sont les choses... Ça prend un système. Ouais, ça prend un système. J'allais oublier de mettre ma petite tige. Mon petit Alors, faut que vous montriez tout le temps à la personne c'est quel genre d'anneau, quel genre de fermoir. Ben, c'est pour ça qu'ils ont un gabarit. C'est pour ça qu'ils ont un gabarit, c'est ça. Fait qu'habituellement, s'il y a une boucle d'oreille, on l'accroche là, on regarde vraiment, OK, ça, c'est du 6 mm. Là, ensuite, elle a mis du 5 jusqu'à la tige. Puis après ça, ben, pour la finition, on a nos petits cartons de boucle d'oreille pour la vente ensuite. Où est-ce qu'on fait nos petits trous, on plie nos petites cartes. En fait, c'est nos cartes d'affaires, fait que ça nous sert en même temps de publicité. Si les gens veulent retrouver le produit. Fait qu'on met notre petite finition derrière, qui est le stopper. Puis, à la toute fin, bien, ça donne la boucle d'oreille qu'on avait tantôt, que j'ai mis. Souvent, à Lanse-Saint-Jean, les gens disent « Mon Dieu, vous vivez de ça, votre boutique et tout ça. » En même temps, c'est vraiment notre atelier boutique. Okay. Fait que même si Eugénie est ici à travail, puis on la paye, puis qu'il n'y a pas
de clients dans toute la journée, bien, elle a fait un inventaire, elle a fait une production. On est dans les points de vente aussi, fait que c'est pas grave. La production a avancé. Il n'y a pas de clients, la production avance. Il y a beaucoup de clients, on vend, mais la production n'avance pas. Mais bref, il y a toujours quelque chose qui avance. Mm-hmm. Fait que de cette façon-là, en ayant notre atelier de montage à même la boutique, ça nous permet de combler les trous. Fait que, ils ont toujours du travail. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on réussit à survivre aussi. C'est qu'on ne perd jamais notre temps. C'est bien dit. Donc, on vous avez vraiment là, dans le bijou, là, on peut trouver boucles d'oreilles, colliers, agencements, bagues même aussi. Oui, bien, on fait du sur-mesure aussi. OK. Des fois, ils arrivent avec une pierre, ça s'en fait donner une pierre. Mais là, ils ont envie qu'elle soit agrémentée de quelque chose. Fait qu'ils arrivent avec leur pierre et leur idée un peu en tête. Un petit dessin. Puis Nathalie, bien, c'est ça. Elle peut faire le morceau de bois qui fait le tour de la pierre. T'sais, ça te donne toutes sortes de choses uniques. Là. Ça peut être aussi, comme ça, si t'as une demande spéciale, par exemple. Okay. Ça peut être juste en dessin, des fois. Des fois, des logos d'entreprise, des médailles, plein de choses. Puis ici, bon, c'est sûr qu'on l'a dit tout à l'heure, on est sur la rue principale où il y a les croisières, les gens arrivent, ils peuvent venir en tout temps, vous êtes ouverts tous les jours. Ouais. Durant l'été. Ouais. C'est à partir de quel mois? C'est de mi-mai à mi-octobre où on est ouvert 7 sur 7. Par contre, vu que c'est notre atelier, comme vous avez vu, on passe l'hiver ici, on passe l'année ici. À l'horaire, on est ouvert tous les fins de semaine. Mais bref, finalement, dès qu'on est sur place, on vire la pancarte de bord. Puis s'il y a quelqu'un qui rentre, on va l'accueillir, c'est sûr. Et puis, où est-ce qu'on pourrait voir vos produits autres qu'ici, à Lens-Saint-Jean? Est-ce qu'il y a des endroits où vous les distribuez? Oui, justement, là, depuis quelques années, on a intégré d'autres points de vente. Là, c'est nouveau. On essaie d'en rajouter un ou deux par année parce que c'est quand même de la gestion. Fait qu'on veut juste être sûr d'être capable de fournir. Fait qu'on y va tranquillement. Mais là, on est rendu à 10 points de vente quand même. Ça va super bien. Puis vous, comment vous vous voyez dans 10 ans? Est-ce que vous voyez toujours ici? Avez-vous des projets futurs? On a des projets d'exposition, de choses connexes avec nos bijoux aussi. Là. On est installé là, je pense. Là, les enfants sont faits, la boutique est installée ici. Là, ça va nous permettre les hivers, là, c'est un peu plus tranquille, de justement pouvoir intégrer, développer des nouveaux projets. Puis on verra ce que ça va donner. Pneus Erguet, fier partenaire de la Route des artisans.